Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Bandeko Balandière de Semon Télévision, Mbote Nabino, bonjour, bonsoir. Moi, Mikolo Bilito Monanité, de retour dans le magazine Nabino, Actu Politique Plus, dans RDC Mon Télévision. Toyuki Kolanda, le chef de l'État qui a décrété état de siège dans l'Est RDC, principalement dans le Nord Kivu, et dans Ituri. Deux provinces, Oyo, ils ont vraiment secoué dans l'insécurité et que ça tourmentait le chef de l'État. À mon ici, il a dit que ce que le peuple ressentait, lui également le ressentait. Le discours n'a pas eu beaucoup de moi extrême, ok. Dans quelques minutes, le chef de l'État lui-même le reconnaît que cette situation n'est pas de nature à faciliter le développement de la RDC. C'est comme ça qu'il a pris des mesures fortes qu'inaction. Na insécurité na est et récemment bota ko sala marche et que objet à marche na bino le chef d'état a-t-il rencontré vos désidérata? Merci beaucoup pour nous tout na papa critique ya la muka ne bolobaka tu critique akaye comme inaction et consort. Je pense que toujours vivre bien sur na Congo toujours tu as ramené ça ko évoluer effectivement ba action ils allaient quitter. Ce sont des pareilles actions qui est juste demandé qu'on s'attendre là en haut. Mais il n'est pas tard pour mieux faire. Moi, dans Mboka Tshilombo, il s'est ressaisi. On a décrété état de siège. Nous avons applaudi. Parce que il faut qu'on se le dise. Congo, tant qu'on a dit que nous sommes béni, Ituri, nous sommes dérangés, nous sommes tous Congolais. Nous sommes dérangés par rapport à ça. Non, c'est parce que les chefs d'État attendaient le moment propice pour pouvoir le faire. Non, le moment propice, là, c'est très mal dit parce que Bateau va couffer déjà Bélé, c'est une perte pour nous. Oui, c'est normal. Oui, en tout cas. On agit seulement parce qu'il y avait déjà votre faculté, on ne pouvait pas agir. Non, non, mais il n'allait pas trop attendre pour agir. Le mal est qu'il avait beaucoup patienté et puis il s'est ressaisi pour sa mesure Rwanda il a instauré état de siège. Nous avons applaudi mais quand Nabiso Mouké Ezali que tout l'ingité que bah militaire na bah policier oyo bah ko joa charge ya ko diriger na bah province de Balewana merci on comprend que vous êtes d'accord na chef de l'État parce que maintenant il a agi. Est-ce que maintenant sur ce point-là toujours on a des insécurité, est-ce qu'on peut croire que avec cette disposition aujourd'hui c'est une partie des réponses na bande ko oyo bazai ko réclamer chef de l'État azana na Goma. Bon, c'est une partie comme vous avez dit, c'est une partie des réponses hein, que il faut kimia ezonga na bamboka wana mibale Ituri et puis Nord Kivu. Voilà. Mais cela n'exclut pas sa présence. Non, mais parce que les problèmes, c'est les paroles du chef, c'est une loi. Non, le problème, c'est sa présence ou le problème, c'est la paix. Moi, je ne sais pas qui a interdit à Tshilombo d'aller là-bas. Non, personne. C'est lui qui a fait cette promesse. Je viendrai. Maintenant, qui lui a interdit d'aller là-bas? Il peut aller, c'est son pays. Mais pourquoi a-t-il peur? Pourquoi tout mon média est comme chauffé na batanga mbwana ko lobaba il ne peut pas aller pourquoi donc Ituri batanga mosu swana Ituri et puis Nord Kivu ils sont en communauté. Bienvenue à la clé. Na yebi aux en langage franc. Oui. Batanga mbwana ngamoni. En tout cas, je ne suis pas venu pour citer les noms des gens. Ba yokaki. Voilà. Ngana rotanga comme moyote ba yokaki biso. Toujours Kamwaga, pourquoi il a peur d'aller s'installer là-bas? Voilà. Il avait promis, non? Il avait promis. Il peut aller, sa présence, le chef de l'État, et que ça le réconfort. Nous avions regretté mais non, vous savez le fait qu'on a gazé les enfants. Les enfants, ils ont été interpellés. Parce que les enfants ne comprenaient pas le même. Ils étaient manipulés par les hommes politiques. Par qui? Par les hommes politiques que vous êtes. Qui, par exemple, qui? Non, je ne veux pas citer tout comme toi, si tu veux pas citer. Non, il n'y a pas. On sait qu'il y avait une main noire derrière l'action. Il n'y avait pas. Vous pensez que les enfants de même ont pris cette initiative là parce que les enfants ont vu que trop c'était trop, leurs parents mouraient, leurs frères mouraient, leurs sœurs mouraient et ils en avaient marre. Et maintenant, quand même, on comprend que le chef d'État a répondu n'a pas désidérata, il y a la population congolaise, il y a Est. Comme je disais, il y a un homme politique, il a accepté. Maintenant, comment vous entrevoyez la suite? Bon, merci beaucoup. La suite, nous voulons que les choses marchent très bien. Comme l'état de siège est décrété, pour ça, nous avons des actions de grande envergure à la mener pour que Kimia Ezonga. Mais ça fait partie des actions de grande envergure. Oui. Non, il ne suffit pas de décréter.
il a décrété, mais il faut les actions sur terrain. Quel type d'action vient de vous aller cause Luka? Mais il faut pour chasser l'ennemi. Mais c'est pour cette raison là que pour chasser l'ennemi. Mais c'est pour cette raison là que bazali ko tchabatuana pour que ba kende ko pour chasser ba ennemi. En tout cas pour ça na biso yango wana makambo e salama ba oyo bazo déranger que tu dia bana mbuka mopandi wana. En tout cas ba force de l'ordre na biso FRDC ba poursuivre bango ba tsa bango hors état de nuire. Okay. Pour que Kimia et Zonga n'aient pas cannabis. Pour ça, cannabis est en Guyane. Bienvenue. On le dit bien, pour ça, il faut Zonga. Mais on sait que notre armée est aussi infiltrée. Vous ne craignez pas que, malgré cette action-là, l'armée soit affaiblie avec cette infiltration? Bon, en tout cas, dans le moment, parce que, bon, moni, bise temps on te propose un plan de sortie des crises nabiso. Non, mais un plan de sortie, bon, chacun a monté. Si. Vous n'avez jamais décrété. On a parlé de l'armée. On a parlé des réformes. Entre autres, il y avait aussi l'armée. L'armée faisait partie des réformes. Non, mais est-ce qu'on peut quand même faire la confiance à notre armée qui actuellement, bah, capable de matraquer Monguna avec cet appui du chef de l'État, la communauté internationale. Vous-même, vous venez de dire que l'armée est infiltrée. Au titre de Bangosikoyo. Non, j'ai dit, on parlait que l'armée est infiltrée, mais est-ce qu'avec cette disposition, infiltration, on sait que l'armée sera sereine pour Ita Moussala? Non. Est-ce que l'effet de décréter l'état de siège et au salaire qui armée est armée sous infiltrée? Non, parce qu'on devrait dire. On devra trier qui est envoyé à l'Est. Non, sinon, papa, il faut ça dans la suite logique. Okay. Il fallait d'abord que bon, il s'abissi kawana, ba mouton noir, ko tsa bango mupandi, et puis ko tika ba o baza bana mboka, ba sala musala wana. Mais maintenant là, on a décrété l'état de siège avec une armée infiltrée, on ne sait pas qui fera quoi. Bon, qu'est-ce que vous proposeriez, vous, Lamouka? Qu'est-ce que vous proposeriez, vous, au chef de l'État, pour le gouverneur? On a dit que, toujours on a point de évoqué, le gouverneur qui devait être nommé dans Nord Kivu, dans Sud Kivu, selon l'ordonnance, il y a chef de l'État, il a publié lobby dans RTNC. On dit que le chef de l'État, le gouverneur, il y a Nord Kivu, Naya Ituri, doivent être des militaires, des vice-gouverneurs de la police. C'est déjà. Quel genre de policiers ou d'officiers, policiers ou militaires il faut qu'on tienne d'akuna? Tous les commandants, il y a région militaire ou anato tchaye, bato mole gouverneur ou bien bazo commandant, bazo moto ailleurs. Bon, en tout cas, biso pour ça n'a pas ali que tous les rapports rebelle, par rapport aux tanga, bah militaire, bah policier, au bazar, bah comme la bonza repris, na bah crime et consort. Moi n'amboka tu le mbohi bien ou très bien. Tout ça qui est dans l'opposition, il m'a bien. En tout cas, il y a des bateaux qui ont repris d'abord un, il faut mettre à l'écart. C'est la personne la mieux informée du pays. Ouais. Donc il a tous les rapports possibles. Voilà. Il sait qui placer où pour avoir toujours un résultat. Donc, il y a Yébi, Ayébi. Le coup, il y a Yébi, Asala, où il y a Yébi pour que Kimézon. Voilà. Nous ne sommes pas là pour lui dire que Asala, boy, Asala, boy. Il y a le coup, là, il est la personne la mieux informée, la mieux renseignée. Voilà. En tout cas, à mettre en exergue, information aux gens pour que Kimézon nous pense à Mboka. Merci beaucoup, Bandeko Balandi. On continue à cette émission, mais on voulait suivre le message de Mama Poli Lumumba, présidente de l'association RDC Monde Télévision. On se retrouve tout juste après avec notre invité pour continuer à parler de ce dossier, le chef de l'État qui a décrété l'état de siège à l'est de la République démocratique du Congo, précisément dans deux provinces, je répète, Nord Kivu, na Ituri, les bazar concernés, na Mezurwana. Toi, Mama Poli Lumumba, bon, on te rejoint tout juste après. Mes chers compatriotes, bâtir le Congo demande du patriotisme. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour construire notre beau pays qui est la RDC. Appel de Mama Poli Lumumba, présidente RDC Monde, à Genève. Devant vos écrans, nous sommes à 44 318 francs suisses à la date du 20 janvier 2021. Quels sont les pays qui ont participé cette année activement? L'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Écosse, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Ouganda, Pays-Bas, RDC, Suède, Suisse, Turquie,
UK et les États-Unis. En tout cas, nous comptons sur vous pour atteindre cette année 100 000 francs minimum pour commencer nos projets. Bande konanga kotonga mboka esengika bolingo. Bino moko bomoni transparence to laxibino côté mbongo. Moyibe yate lokuta pe zate. Alors boya to sangana to tonga mboka na biso le grand Congo. Merci Malobaya, présidente RDC Monde Poli Lumumba à Genève. Voilà, de retour dans votre émission. Merci beaucoup, Mme Pauline, pour le message. Et alors, bienvenue. Vous avez une crainte. Crainte, Nabi Nezani, ce bâtiment militaire. Ok, merci beaucoup. Tu as déjà un état d'urgence sanitaire à Kinshasa. Mais tu as toujours comment les policiers basali ko se comporter awa. Comment ils se comportent. En tout cas, comportement là vraiment ils ont malade mumingité. Si quoi awa te décréter état de siège, président de la République a décrété en gros. Crainte n'a plus ça que bah droit de l'homme ezala bafoué. Non mais na ordonnance à chef de l'État c'est clair et net que on doit respecter bah droit de l'homme. Mais vous n'allez pas aussi dire les contraires que tant bah décréter état d'urgence. Le président avait dit que l'étoile de l'homme ne sera pas respectée. Non, le moment, le fait d'épingler cela, c'est, oui. Déjà, c'est déjà un atout, c'est déjà non. Un fait. En tout cas, Bissot, parce que le bosso est qui épinglé, mais maintenant quand même. Toyebi, n'engue armée na biso, n'engue police na biso et se comporte ça. Il y a un mot toujours déjà qu'on lancer la sonnette à l'arme pour que baye ba comment ils doivent se comporter. Se comporter, c'est-à-dire on a interdit toute manifestation publique dans la province. On a, vous n'allez pas bien la munga comme ça, que vous allez marcher dans Goma. Non, c'est interdit. Est-ce qu'il n'y a que la munga qui fait des marches? Parce que c'est ça l'opposition. Non, il n'y a pas que la munga. C'est l'opposition. Hier, vous avez suivi. Hier, vous avez suivi les sociétés civiles et consorts, Bazak et Bélé, dans un mouvement soutien. Ils ont aussi marché pour me remettre l'Iram. Mais vous aviez vu comment ils ont été réprimés. Mais c'est tous des marches non autorisées. Là n'est pas non, le problème. Dans un régime, il y a information. Dans un régime, il y a autorisation. Merci donc, beaucoup, on informe. Et c'est à la personne informée de prendre les dispositions pour accompagner. On ne demande pas l'autorisation, on informe. C'est ce que les gens aussi avaient fait. Nous, la Mouka, nous l'avions aussi fait. Mais malheureusement. Non, mais dans la province, on a dit, c'est clair et net, l'ordonnance sur l'État est claire et net. Dans toute manifestation, on a dit, c'est suspendu jusqu'à ce que Kimia Kozonga. Parce qu'on a vu qu'il y a des infiltrés. Nous sommes d'accord avec ça. Nous, la Mouka, nous ne manifestons pas par sans sentiment, non. Okay. Nous manifestons non, parce que. Qu'est-ce que vous craignez dans ma camarade de l'homme? Vous craignez quoi? Y a un autre coloba, awa. Nous craignons que la police et l'armée, bah, comme on a pouvoir moko boye, un peu exagéré vis-à-vis de paisibles citoyens. Citoyens, ils doivent respecter la dignité humaine et les droits de l'homme doivent être respectés. Basta la moussa na bango na ba limite y a ba mibeko ndenge eyebi. Tu peux yebi que a été décidé pe si bango pouvoir mingi koleka mais ba profiter na ngote pour que ba Alexandrelo. Pour ça na biso yango wana. OK. Mais ils ont quand même déjà donné des garanties, ils ont dit que ils vont pas bafouer. C'est aussi à nous la presse et aussi Bino Batbozo les médias avoir des informations vraies, ne pas dire n'importe quoi. Il faudrait que Bissonnoso, le chef d'État, lance un appel dans son discours. Il a dit que tout le monde se joigne à l'unité, que nous puissions nous mettre ensemble maintenant. S'il faut prier pour le Congo, si vous êtes chrétien, vous devez prier pour le Congo, pour les autres aussi. Nous devons soutenir notre armée pour que Kimezo Namboka. Ce message du chef d'État, comment vous l'avez perçu, Bino Namboka? Bon, c'est un message. Ça ne vous dit pas quelque chose, ça ne vous demande pas vous aussi, Binepe Bokota na Magamboana. Est-ce que vous êtes derrière le chef d'État pour vous soutenir pour la guerre ça ne concerne pas un seul individu. Est-ce que pour bien agir, pour la guerre, est-ce qu'il faut se mettre derrière les chefs de l'État? Non. Pourquoi est-ce qu'il faut se mettre derrière eux? Non. Il faut. Nous avons notre façon autre que soutenir l'action pour que Mboka. Quelle est cette façon de faire de Mboka? La façon de faire, c'est peut-être de conscientiser la population que lorsqu'ils voient un élément suspect, d'informer à l'armée ou à la
coup à la police. Voilà. Là, nous ne l'avons pas accompagné. Est-ce qu'il ne faut pas que tous la canne à Simana? Et non. Non, nous Simane, pouvons. Cela ne veut pas dire que oui. Je n'ai pas dit que beaucoup t'as ignoré ça. Ah, ok, ça va. Simana, dans le sens que non, vous accompagner, l'idée n'a pas action, n'a pas tourné autour, il y a ce qu'il fait pour soutenir l'action. Je n'ai pas dit en que beaucoup t'as ignoré ça. Mais ce que tous les gens ont, tous et qui est malam pour ça n'abîme pas Angwana. Voilà. Si ma cambo est là, mina n'engi oyza qui est malam, nous soutenons. Est-ce que bienvenue, tu n'es pas devenu modéré? Non, comment? Je te connais souvent très extrémiste. Non, non, en tout cas, les modéré. Gens ne nous comprennent pas. C'est pourquoi ils inondent les réseaux sociaux des mots haine, tribalisme et consorts. Mais ils ne comprennent pas. Mm-hmm. Lorsqu'il s'agit de parler Congo, nous parlons Congo. Mm-hmm. Lorsqu'il y a à applaudir, nous applaudissons. Mm-hmm. Lorsqu'il faut condamner, nous condamnons. Lorsqu'on mm-hmm. dit que Marambeo Simbate, nous allons le dire. Mm-hmm. Hein? Ce n'est pas question que tu aies modéré, non. Mm-hmm. Quand il y a état de siège pour que Kimi Zong, il y a Naboya. Non, ce n'est pas un peu comme ça, il faut les payer, il faut rationner les banques, il faut les occuper. Mm-hmm. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à ça. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment très heureux. Je voudrais vous commenter, partager, liker nos émissions. Abonnez-vous massivement à notre chaîne. Vous ne serez jamais dessus l'actualité telle qu'elle est comprise par les acteurs politiques de la RDC. On la commente ensemble avec vous et pour vous sur RDC Mon Télévision. Bienvenue, on va chuter par là. Mmh. Et le chef de l'État qui a promis de ne ménager aucun effort dans la campagne depuis toujours, ne ménager aucun effort pour la Kinezon à l'Est. Aujourd'hui, il est en train de gagner son pari, selon vous. Comme vous l'avez dit, il est en train de faire quelque chose déjà, c'est déjà un pas. Un voyage commence toujours par un pas. Mmh. Aujourd'hui, le chef de l'État est en train de gagner ce pari. Qu'est-ce que la Mouka devra faire maintenant pour qu'il puisse survivre? Oh non! La Mouka parce que c'était, je sais que cette histoire de l'insécurité à l'Est était devenue le seul cheval de bataille pour la Mouka. Non, non, pas du tout. Okay. Pas du tout. Allez-y. Pas du tout. Pas du allez-y, tout. Allez-y, je vous écoute. Nous savons que le président de la République, Mouna Mboka Tshilombo, il a lui-même déclaré qu'il a échoué 2 ans passés. Wow. Je ne sais pas si. Mais oui, quand il a fait son discours de 6 minutes, il a reconnu son échec avec ses alliés de FCC. Il a échoué pour que la gravité n'a pas marché, l'eau il n'y en a pas, l'électricité il n'y en a pas, les routes, l'insécurité ce n'est pas qu'à l'Est. Non. Même ici, l'insécurité. Non, non. Au Katang, il y a l'insécurité. Vous n'avez jamais marché, la Mouka n'a jamais marché pour l'insécurité à Kinshasa. La Mouka n'a jamais marché pour réclamer la sécurité au Katanga. La Mouka n'a jamais marché pour réclamer la paix et la sécurité à Mbujimayi ou à Bandundu. Non. Est-ce la Mouka n'a marché que pour réclamer la paix et la sécurité à l'Est. Non, n'est-ce pas le seul message fort que vous aviez qui est en train d'être résolu? Non, 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 ce n'est pas ça le seul message. Papa, nous parlons de choses vraies et vérifiables. Ok. Que les choses ne marchent pas. La vie est devenue chère. La vie est devenue très chère. La population souffre. Donc vous ne reconnaissez pas que c'est une épée qui est déjà pointée dans mon Congo, dans la colonne vertébrale. Non, 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 en tout cas rien du tout. La Mouka vit, la Mouka vivra. On est là, on en manque. La Mouka est là. Et puisque vous parlez de la Mouka, oui. Qu'en est-il Katumbi Mouzitu, qui coordonne la Mouka? Je ne vais pas parler des faux débats. Nous savons que dans ces non, pays, en tout cas là, M. Katumbi a manqué l'occasion de se taire parce qu'il a des ministres au gouvernement. On ne peut pas être et au gouvernement et à l'opposition. En tout cas là, c'est un faux débat. Je ne vais pas perdre mon énergie. Puisque la Mouka n'est pas dans l'opposition, la Mouka est dans la résistance. La Mouka est actuellement dirigée par Mouana Mboka Adolphe Mouzitu. Nous sommes yébi. Quand tu mets quelque distraire opinion, tout ça n'a pas sa distraction. T'es la moussala, toujours c'est la bonne œuvre. Ok. Les œuvres ont déjà commencé, comme vous venez de le voir, mais chers amis, chers abonnés, chers téléspectateurs, il y a RDC Mon Télévision. C'est par ici que nous chutons avec notre invité. Nous avons
voulu échanger avec Bienvenu, qui est l'un des cadres de la Mouka parce qu'il est membre du parti SID de Martin Ford, je crois que je ne me suis pas trompé. Et que voilà, il a voulu échanger avec nous, dit ce que la Mouka pense de cette situation d'état de siège qui a été décrétée par le chef de l'État. Merci Nabino Balandi Nabusso, merci na commentaire, merci na abonnement Nabino, merci na ko liker, merci na ko partager cette émission et ça nous fera énormément du bien. Nous sommes très heureux. En tout cas, bienvenue. Je vous dis au revoir. Très heureux. Je crois que la prochaine fois, nous ne manquerons pas de vous recevoir encore dans d'autres occasions, lors des autres activités qui concernent la politique de la RDC. Merci beaucoup et au revoir.